les frérots, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo au bord de l'eau dans ma petite gravière que je commence à fréquenter un petit peu plus régulièrement depuis le début de l'année. Donc là on est parti pour seulement 2 jours, j'ai pas énormément de temps, pas mal de boulot en ce moment, donc session relativement rapide. Donc pour cette session, l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est d'essayer de taper un poisson entre les 18 et plus, on va dire. Ça serait vraiment l'objectif de la session. Maintenant, je vais pas vous dire le contraire, les frérots. Si j'ai du poisson en dessous de 18 qui se met à mordre, on va pas refuser non plus, hein. Ok. Mais voilà, c'est le petit objectif de la session. Donc, cette fois-ci, j'ai pas fait de framorçage, tout simplement parce que mon pote qui habite à côté, il n'était pas disponible. Et puis moi-même, j'étais énormément pris durant toute la semaine. Donc impossibilité totale d'aller pratiquer un pré-amorçage. Alors vu que je ne pouvais pas faire de pré-amorçage, j'ai préféré venir la veille. C'est-à-dire que ma session c'est dimanche lundi, puisque lundi c'est férié. Et j'ai décidé de venir samedi soir, de dormir sur place. Et puis comme ça, ça me permet de faire un petit pré-amorçage. Et déjà psychologiquement, j'attaque ma session ce matin, je sais que il y a peut-être potentiellement quelques poissons qui commencent à arriver sur le coup. Donc je gagne environ 6 ou 7 heures déjà. Pour le pré-amorçage, c'est comme d'habitude, il me reste encore mes Blue Dwarm Echo. Donc la base de l'amorçage, il sera fait avec ça. Et puis pour le reste de l'amorçage, c'est des Blue Dwarm, mais cette fois-ci, c'est pas la gamme Echo, c'est les billes normales. Et donc en 15 mm. Donc ça me fait un petit mélange de billes de 20 et de billes de 15 avec une gamme éco et une gamme classique. Donc cette fois j'ai pas mis de graines parce qu'en fait j'ai pas eu le temps d'en faire. Donc un amorçage à la bille pure. Vis-à-vis de la fraie, je sais pas exactement si les poissons ont fini de frayer. Je dirais oui puisque je vois aucun poisson se balader en bordure, je vois pas de carpe sauter ni rien. Donc je croise les doigts, je pense qu'elles ont fini de faire leur petit manège. Et donc, je vous tiens au courant les gars, moi je vais me poser un petit peu, je vais profiter d'être au repos, je vais profiter qu'il pleuve pas encore, parce qu'ils annoncent pas un super temps, mais bon, s'il y a un temps orageux, peut-être que ça peut déclencher la pêche. Donc je vous dis à tout à l'heure, j'espère vous proposer du beau poisson, on reste focus sur l'objectif, plus de 18, et à tout à l'heure. Voilà, super poisson. Alors je l'ai pris avec 2 Blue Dwarm en 20 mm avec un gros sac PVA blindé de billes. Et puis donc là je suis sur la comme la dernière fois, hein, sur la petite pente au niveau de la pointe. Il y a beaucoup de passages de poissons. Je vois ça, l'activité commence à arriver. Donc voilà, comme d'habitude, gros départ, gros combat. Faut brider rapidement parce que sinon elles font le tour de la pointe et c'est la casse assurée quoi. Mais ça vaut le coup, des beaux petits lingots comme ça, ça fait vraiment plaisir. Super poisson. Bon bah les frérots, voilà, réveil de la deuxième journée. Hier soir j'ai mon pote Ronan que vous avez vu en Finlande. Salut les gars. Qui est passé me voir, il a passé la nuit avec moi à la Belle Étoile. On a bu quelques canettes. Et puis ce matin, super réveil en furie. On s'est levé de bonne heure à 5h, on a remis les cannes. Et en une heure, à peine, doublé. Le bon doublé des familles. Et je peux vous dire, elles sont en forme.
Alors Ronan fait une belle miroir et moi je refais une petite commune. Mais alors sa miroir elle est énervée quoi. Oh là là, on en prend plein la gueule. Plein la gueule. J'espère que tu réussiras à la porter. Ouais, juste. En fait, ouais, surtout qu'elle se calme au moins 5 minutes que je puisse. Voilà. Donc petite commune pour moi. La belle miroir pour mon pote Ronan. Deux beaux poissons, franchement. Pris sur les Blue Dwarm Liver en 20 mm. Toujours pareil. Un gros sac PVA. Et puis bah ça part feu. Là ça fait plaisir. En plus ça lui a fait un beau combat. Encore des couleurs de malade pour la petite commune. Forcément la miroir est un peu plus sombre, mais des belles écailles. Je vous ferai voir le côté inverse là tout à l'heure. C'est une tuerie. Donc voilà, bah, ça fait bien plaisir. Et puis bah au moins Ronan, tu seras pas venu pour rien. Non, c'est un beau poisson, franchement. Dès le matin, quoi, une petite heure de pêche. Grave. Un poisson chacun, franchement, on n'est vraiment pas venu pour rien. Ça fait plaisir. Allez, je vous fais voir le deuxième côté. Et on les remet à l'eau. Alors niveau montage les gars, comme d'habitude, quelque chose de très simple. J'ai donc un bas de ligne en tresse. Donc là c'est de la 30 livres, donc c'est relativement costaud. Un anti-tangle, un hameçon numéro 4 puisque je pêche avec deux billes de 20 et c'est tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Les trois poissons, on les a pris avec ce montage. Donc, je prends simplement deux billes. Donc ici, des Blue Dwarm Liver en 20 mm. Donc il vous faut un cheveu assez grand. Donc toujours penser à mesurer son cheveu avec les billes. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir un cheveu qui a la bonne taille. Faites pas des cheveux en pensant que ça sera assez long. Ça marche jamais. Hop, les deux billes. Un petit stop. Voilà. On remet tout bien. Et voilà. Et votre montage, il est prêt. Ça vous donne ça. Ça vous donne ça. À ça, j'y ajoute deux choses. La première, soit je mets un gros stick bien chargé avec des graines, donc le White Fog de chez QDB. Et sinon, si je pêche vraiment sur la canne qui est la plus potentielle à se retrouver sur des herbiers, un gros sac PVA
avec à peu près une quinzaine de billes dedans. Et c'est parti, j'envoie ça. Donc comme d'habitude, montage très simple, ça fonctionne très bien. Et deux billes de vin, ça fait pas peur à des poissons même petits, puisque vous avez vu, les deux petites communes que je fais, ben, je les fais sur deux billes de vin, sur un montage similaire à celui-là. Donc preuve en est que c'est pas parce qu'on pêche avec deux billes de vin qu'on sélectionne la taille du poisson. Bon les frérots, je suis avec Ronan. Bon les gars, c'est dur dur hein. C'est dur dur de ouf là. Là, pas un seul poisson, hormis les deux qu'on a faites ce matin au réveil. Et sinon on n'a rien d'autre quoi. Il y a un vent, je vous raconte même pas. À décorner les vaches. Grave. Ça souffle de ouf. Et ouais, les conditions sont portant bonnes. Hein. On a un joli vent, il est pas si froid que ça. On doit avoir beaucoup de pluie, on n'a rien eu. Grave, il devait flotter, on a quasiment pas eu d'eau. Un beau soleil, on le voit bien de toute façon. On a même bronzé tout à l'heure. Ouais, carrément. Donc pour l'instant c'est hard. Pas d'autres poissons. Donc il nous reste une heure de pêche environ. Donc, j'espère vous faire voir un autre fish. Sinon, bah, vous resterez sur les deux poissons de ce matin. Et ouais. Et bas les couilles. Ça sera ça les frérots, ok? Allez, à tout à l'heure. Bon les frérots, la session elle est terminée. Je suis en train de... On vient de monter dans la bagnole avec Ronan là. Il est juste derrière, il est parti acheter des clopes. Donc là, bah, bilan de cette petite session. Trois jolis poissons, deux petites communes magnifiques. Et puis on a une belle miroir pour Ronan. Donc pour moi le contrat il est rempli. Mais l'objectif des 18 kilos il n'est pas atteint. Donc je vais devoir revenir. Donc il y aura un épisode 2 les gars. Sinon, les nouvelles. La prochaine vidéo qui va sortir les gars, ça va être aux États-Unis. Donc on est lundi de Pentecôte. On est lundi. Et bah du coup, je prends l'avion la semaine prochaine et je décolle pour les États-Unis pour aller voir Dasnipa Olivier Gonzali. Donc on va vous faire du sale aux États-Unis, j'espère. Donc vous allez me suivre sur Facebook, Instagram. Suivez ça, ça va être du lourd. Donc merci à tous pour le soutien, pour vos messages, pour vos encouragements, ça me fait vraiment plaisir. Force à vous tous et je vous dis à la prochaine. Laissez-moi un pouce bleu, partagez et let's go!